Instant qui est présent bien sûr sur le site de la Prairie pour suivre cette qualif en direct. Et les chevaux passent sous les ordres. Bon départ pour le 38, ce fameux Lister Vedake. Bon départ également pour le numéro 36 hein, qui est sorti des lasers. C'est Loterio, fils de Feliciano. La belle Michael aura certainement une autre occasion de se présenter. Elle est un peu restée au poteau. Donc on pense la revoir dans un lot un petit peu plus tard. On va bientôt sortir du premier virage. Avec un rythme régulier sans être non plus trop soutenu. Et on va prendre l'avantage avec le Lister Vedake, le frère d'Isoar Vedake. On se rapproche en dehors avec Loterio qui revient dans le coup. L'entraîneur Durand est demandé au secrétariat. L'entraîneur Durand est demandé au secrétariat. Et attaque même le leader à 1 km de l'arrivée. En tout cas, le pousse un petit peu pour qu'on avance. Pas loin, l'Orange, fille d'Earl Simon, et Orange Douce est également dans le coup. Alors que Lister Vedake fait une faute. Le frère d'Isoar Vedake se montre fautif à la bord de la dernière courbe. Il faudra passer. On accélère, 500 derniers mètres. Gaëtan Ligeron a pris nettement l'avantage cette fois avec Loterio. Il a été remis, hein, le Vedake. Est-ce qu'il va être sauvé parce qu'il est encore dans le coup et comme on a roulé et que le chrono va passer sans problème, on verra ce que donne le résultat de ce lot avec Thierry du Valdestin qui finit, en tout cas la maison du Valdestin qui finit très bien en pleine piste et qui va laisser ici une belle impression. Après le billet vert, la belle impression est pour l'Orange qui vient conclure à la deuxième place de ce lot, juste derrière le numéro... Alors on me dit que c'est le 30... Je vois le 36 sur le... sur la plaque, mais j'ai un tout petit doute. Donc on va écouter les résultats officiels du bureau de Caen. Alors il y avait Loterio et Lelon Ellis. Parce qu'avec les Kazakhs, c'est pas toujours très simple de savoir qui est qui. Il y a des plaques, mais faut-il encore qu'elles soient bien respectées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est la belle impression. Elle sera en tout cas à mon actif pour l'Orange, qui en pleine piste a fini dans une plaisante action. Le Mac, la belle Mika ont été disqualifiés. Lister Vedake également. Je me demandais s'il en avait fait assez, mais je crois qu'il est rentré en plus à l'intérieur de la piste, donc c'était réglé. Lumière également. Lumière Mika a également été disqualifiée, donc il faudra repasser. On écoute le résultat des officiels pour ce lot numéro 3. Les 6 premiers sont retenus dans ce troisième lot. Le numéro 33, ainsi que le 36 dans le même temps, 18-2, le 80, 18-6. Le 31, 19-1, le 30 et le 35 en même temps, 19-3. Le 38 est refusé, disqualifié, voilà, 1. Le 39 disqualifié, hors délai. Donc les 6 premiers sont retenus. Quatrième en piste, quatrième.